bien bonjour à tous, c'est Castelix et on se retrouve sur Warframe pour vous présenter Debuild Volt Prime. Et oui, Volt Prime, l'homme électrique. D'ailleurs, regardez vite fait, j'ai retrouvé son frère. Oulala, Dynamo il s'appelle. C'est son grand frère, donc il a une armure un peu moins belle, évidemment, mais vous allez voir. Attention, c'est très électrique. Oh mon dieu. Ah oui, comme vous pouvez voir, son frère aîné, il fait quand même peur à voir. Et puis l'armure à l'époque était pas du tout pareil. Oula, il y a des petits éclairs. Waouh, magnifique. Bon, il est un peu gros aussi, hein. Ça lui moule bien. Et voilà, Monsieur Dynamo. Il a un sacré frère quand même. Hein. Donc comme vous avez pu voir, son frère aîné est quand même assez bizarre. Évidemment, puisqu'à l'époque il n'y avait pas d'armure aussi élaborée que celle de Volt, hein, Monsieur Dynamo, que vous venez de voir juste avant. Donc voilà, donc bah, je vais vous présenter ce petit build. Donc on y va. Ça c'est le build qui est selon moi quand même le plus correct, le plus décent. Et alors, ce n'est pas celui-là, c'est celui-là, voilà. Donc on commence par un projection corrosive. Projection corrosive qui bon, réduit l'armure des greeners, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite vous prendrez un flux accru, redirection étroit d'esprit super étendu, continuité accrue, intensifié, rationalisation et allonge. Donc ça c'est un build qui vous permet quand même de rester quand même sur du défensif, quand même avec un petit peu de DPS quand même, hein, histoire de stun aussi avec l'ulti ou avec le pouvoir numéro 1. Donc après, voilà, c'est par exemple la survie ou du Draco. Draco évidemment, si vous êtes en combinaison avec un Escalibur, c'est franchement top, Trinity, etc. Voilà, c'est les combos qui sont vraiment très sympathiques. Oui, donc comme je vous disais, de la survie, donc vous vous foutez dans un coin, vous lâchez un bouclier, on parle quand même de presque 58, voire 1 minute de bouclier, donc c'est vraiment très intéressant, il suffit d'avoir une mag avec le Greedy Pool, et puis à la limite vous prenez un Frost, un Vauban avec un Vortex, et là vous êtes top, donc à la limite, voilà, le Frost est encore en plus en soutien. Sur ce procédé, sur ces petites techniques, on va dire, de jeu. Voilà, donc eh bien écoutez, bah, on va se retrouver en T2 Def Mob avec Monsieur Godix. Et puis voilà, donc moi je vous dis à tout de suite. Donc là, vous voyez, on part déjà sur 20 secondes de machin. Oula. Tiens, hop, voilà. Donc là je suis avec Goodix, hein, un de mes abonnés. De toute façon d'ailleurs on n'a pas le temps de perdre du temps. Oula, il est allé vite. Donc vous voyez qu'au niveau de la course, si vous voulez rusher, c'est superbe quoi. C'est vraiment top. Et bon, je ne veux pas m'attendre. Il est vraiment très pressé. Donc là du coup, faire voir les boucliers. Aïe. Ouais, ça m'a mis de la radiation, là. C'est pas bien. C'est pas cool du tout. Bref, j'ai sorti mon petit cubro. Allez, hop là. Et là, vous allez voir. Je vais tout protéger avec mes boucliers. Allez, vas-y, injecte. Hop. 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 Ah merde, j'ai pas assez d'énergie. Eh ben, c'est pas grave. Quand il y en a plus, il y en a encore. Hop là. Hop. Oh, comme c'est joli. Bon, voilà, ça les empêche pas de rentrer, hein. Mais par contre, ça nous protège grandement. Et du coup, c'est ça qui est vraiment pas mal. Donc, c'est pareil, pour rusher sur de la survie, il n'y a pas de souci. Vous rushez la survie, vous foutez dans un coin. Et puis bon, bah, il y en a beaucoup qui le faisaient avec Vauban et le Vortex. Là, du coup, vous le faites avec les boucliers électriques. Donc, vous voyez, on a encore 30 secondes sur le dernier. Là, on va envoyer un petit machin histoire de les stun. Voilà, petit coquin. Ouh, ils ont pas apprécié la blague. Donc voilà pour ce build défensif de Volt Prime. Hop. Allez, on y va. Mais putain, mais c'est qu'il y en a partout, c'est pas possible.
Ah là, crève. Laisse mon chien tranquille. Merde, je vais un peu vite là. Allez, tiens, mange ça, petit ancien. Ah oui, bah d'accord. En fait, le gars, je les raise, mais il m'a pas trop attendu. Bon, c'est un peu. Allez, pour le fun, clac. Ah oui, c'est magnifique. Allez, au revoir, les gars. Tac. Ah oui, non, parce qu'en plus, il est à terre. Oh là là. Décidément, il est pas dans un grand jour, notre petit Goodix. Allez, on te relève. Lui, il a pensé trop à Dynamo. Parce que. Eh, c'est Volt, hein, c'est pas Dynamo, hein. Je sais que ça peut faire stresser, mais quand même. Voilà, c'est fini. Bon, War Prime, voilà, c'était de la Deathmob 3. Et bien du coup, voilà, j'espère que ça vous aura fait plaisir, ce petit build sur Volt Prime et la connaissance de son aîné Dynamo. Il restera dans les annales, lui aussi. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura fait plaisir. Moi, je vous dis à bientôt, c'était Castelix, ciao ciao.